Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Tu es précieux pour moi, car je t'aime. Voici les paroles de grâce que Dieu vous adresse aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen. Bienvenue à chacune, à chacun. Bienvenue à vous qui êtes ici à Saint-Pierre. Bienvenue à vous qui nous regardez en différé sur Internet. Bienvenue à toi, Laurence, particulièrement, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre ce matin pour partager une méditation autour du récit dit de la femme adultère. Ensemble, nous formons une communauté de personnes appelées. C'est le sens du mot « église ». Ensemble, nous formons une communauté de personnes qui se sont mises en route à l'écoute d'une parole qui vient d'ailleurs. Ce matin, nous allons faire un bout de chemin ensemble à l'écoute de cette parole. Je vous invite à la prière. Éternel, nous arrivons devant toi chargés de nos soucis quotidiens, fatigués de nos chemins si caillouteux, où nous arrivons remplis de la joie d'un amour, d'un espoir, de l'élan d'un projet. Nous arrivons de nos vies bien remplies ou envahies par la solitude. Tels que nous sommes, nous voici. Accueille nos méli-mélos intérieurs. Envoie sur nos chaos ton souffle créateur, afin que ta parole fasse surgir en nous la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, celui qui est inséré dans les petits dépliants. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Nous poursuivons notre louange avec le psaume 103 qui nous est proposé ce matin par le lectionnaire. De David. Bénis l'Éternel, mon âme.
de tout ton être, bénis son nom divin. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie rien de ce qu'il a fait pour toi. Lui, il pardonne chacune de tes offenses. Il est le médecin de toutes tes blessures. Il te tire de la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits. Il assouvit ton désir de bonheur. Comme un aigle prend son essor, toi, tu rajeunis. Dieu juge les exploiteurs. Il relève la dignité des exploités. Il révéla ses projets à Moïse. Il se fit connaître aux enfants d'Israël. Dieu se nomme tendresse et compassion. Il est le Dieu aux longues patiences et son amour est inépuisable. Son indignation est de courte durée et sa déception vite oubliée. Il ne nous traite pas comme nous le traitons. Lui, il rend le bien pour le mal. Aussi élevées sont les plus lointaines étoiles, aussi vaste est son amour pour qui se laisse éblouir. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne nos ombres. Comme est la tendresse d'une mère pour ses enfants, tendre est l'Éternel pour qui s'en émerveille. Il sait bien de quoi nous sommes pétris. Il se souvient du jour où il mit son souffle dans la glaise. L'humain, ses jours se fanent comme les fleurs des champs. Il suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie. Il est vite oublié même là où il a vécu. Mais celui qui se laisse prendre par l'amour de Dieu a de quoi s'en rassasier pour l'éternité. À travers les générations, Dieu est justice pour celle qui garde son alliance, pour celui qui n'oublie pas de marcher dans l'accomplissement de ses désirs. L'Éternel règne sur les créatures visibles et invisibles. Bénissez-le, ambassadrice de sa parole, attentive à l'accent unique de sa voix. Bénissez-le, myriade de visages, vous tous les artisans de son rêve. Bénissez Dieu, vous en qui il a laissé sa trace d'un bout à l'autre de l'univers. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis-le. Éternel, nous te bénissons et nous te demandons ton aide. Tant de choses nous encombrent et nous empêchent d'être des artisans, des artisanes de ton royaume. Nous avons besoin de ton amour pour déblayer les décombres qui peuplent nos cœurs, nos angoisses, nos peurs, nos rancœurs, nos paresses. Nous avons besoin de ta justice pour inspirer nos gestes et nos paroles et vivre selon ton appel. Nous avons besoin de ta joie pour briser nos désespoirs et nos découragements. Nous avons besoin de ton pardon pour laver nos hontes et nos haines. Oui, nous te bénissons, Éternel, et nous te demandons ton aide. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le deuxième chant, le 379, les trois strophes. Thank you.
L'amour de Dieu s'est manifesté en ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tel que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et sœurs, et avec nous-mêmes. Il nous relève et il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi. À chacun, à chacune, Dieu dit « Va, vis, je ne te condamne pas. » Amen. Et nous chantons le 405, les trois strophes. La prière d'illumination. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, nous venons à toi avec nos préjugés et nos prêts à penser, et toi, tu nous invites à écouter une bonne nouvelle, capable de libérer l'être humain. Nous venons à toi avec nos désillusions et nos amertumes, et toi, tu nous invites à croire aux possibilités infinies de l'amour. Nous venons à toi avec nos peurs et nos violences, et toi, tu nous invites à entrer dans une alliance de dignité et d'égard pour toute personne. Nous venons à toi avec nos amours manqués et nos manques d'amour. Viens transfigurer nos vies et nos relations. Donne-nous part à ton esprit. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à ta parole. Amen. Femme et violence, quand Jésus brise le cercle. Nous lisons
L'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 12. Jésus alla au mont des Oliviers. Mais, dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Il fut laissé seul avec la femme, toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée. » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » C'est une femme qu'on va lapider. C'est une femme qu'on va tuer à coups de pierre. Son destin est scellé dans la pierre des lois mosaïques. Elle le sait, ils le savent. Elle va payer de sa vie. C'est la loi. C'est une femme seule qui se retrouve au milieu du cercle de la haine. Où est son amant qui a fait l'amour avec elle? N'est-il pas coupable, lui aussi? Où est son mari? Ne va-t-il pas la secourir? Où est sa famille? Où sont ses amis? N'y a-t-il pas quelqu'un pour la soutenir? Non, il n'y a personne pour la défendre. Tous sont d'accord. Elle doit mourir pour ce qu'elle a fait ou pour ce qu'on pense qu'elle a fait. Abandonnée de tous, elle se retrouve livrée aux autorités morales et bien-pensantes. Et alors, quelle jouissance pour ces hommes de pouvoir condamner, détruire, tuer cette femme impure. Au milieu du cercle
de la haine meurtrière et de la condamnation sans appel se retrouvent génération après génération, des femmes et des hommes aussi, qui n'ont pas suivi le code moral en vigueur. Il y a plusieurs décennies, c'était les personnes divorcées, véritable stigmate social. C'était les filles mères, une honte indélébile. Il y a encore peu de temps en arrière, c'était les mariages entre deux cultures ou deux religions différentes, voués bien évidemment à l'échec selon les préjugés ambiants. Et si le mariage des couples de même sexe a été reconnu dans nos lois, il reste encore du chemin à parcourir dans nos mentalités, dans nos familles, dans notre vie sociale, pour accepter pleinement cette forme de conjugalité et d'amour. Qui est jeté au milieu du cercle aujourd'hui? Avec la prise de parole de la vague MeToo, ont été mises à jour des violences commises contre des femmes, contre un nombre ahurissant de femmes, d'enfants et de mineurs aussi. Harcèlement, agression sexuelle, viol, chantage et dénigrement. Alors oui, ce n'est pas qu'au loin que des femmes sont sacrifiées sur l'autel d'un soi-disant honneur de leur clan et tuées à coups de pierre, d'acide ou d'alcool à brûler. C'est aussi chez nous, dans nos maisons et nos familles, que des femmes sont brutalisées, niées, violentées, détruites, parfois assassinées. 26 féminicides ont été commis en Suisse en 2021. 26 femmes assassinées en raison de leur sexe, piégées dans des relations mortifères. Et combien de femmes aujourd'hui, maintenant, vivent dans une prison de peur, de coups et d'abus, murées là, avec leurs enfants. Dans le cercle sont jetés les corps de femmes, de filles et de fillettes sur lesquelles se font les guerres de notre époque. Et dans ce cercle meurtrier, violence et abus se retournent bien souvent contre la victime, avec le poids de la honte, avec le fardeau du silence, avec une culpabilité ancestrale. Car dans l'ombre de la femme, eh bien, n'est-ce pas Ève, la séductrice, Ève, la tentatrice à la sexualité si attirante et si condamnable que les hommes voient et haïssent. C'est peut-être bien Ève, dans son désir et dans sa liberté, que ces hommes visent et veulent détruire. Et pourtant, c'est aussi Adam qu'ils défigurent dans le même geste de négation. Mais ils ne veulent pas le voir, ni le savoir, eux, les justiciers d'une cause pure. Dans l'ombre d'une victime désignée, que ce soit en raison de son sexe, de sa race, de son orientation sexuelle, de son origine, de son milieu, que sais-je, c'est toujours l'autre comme étranger, l'autre comme alien que la bien-pensance liguée veut éliminer. Et pourtant, en déshumanisant une personne, c'est l'humanité entière qui perd, qui se perd et qui s'aliène. Mais on fait comme si on ne le savait pas. D'autant plus qu'être en cercle donne un contrôle, une maîtrise, une justification. Le cercle est là de bon droit. Le cercle est là pour rétablir l'ordre. Le cercle est là pour soumettre les contrevenants et les contrevenantes et faire un exemple. Dans cette histoire de l'Évangile, il y a plus encore. La coupable devient entre les mains de ces hommes religieux un objet. Elle, au fond, elle ne compte pas. Elle n'a pas la parole,
elle n'a plus aucun droit à quoi que ce soit. Elle est instrumentalisée et jetée en pâture dans une rhétorique mortelle menée par ces hommes de pouvoir. Et là, ce qui compte, eh bien, c'est d'atteindre Jésus. Car c'est bien à la vie de Jésus qu'ils en veulent. C'est lui qu'ils visent, les lanceurs de pierres. Et le piège qu'ils lui tendent est parfait. Si Jésus prend le parti pour la femme, il est contre la loi et c'est lui qui mourra. S'il abandonne lui aussi la femme à la justice de ses hommes, alors non seulement la femme mourra, mais lui perdra toute autorité. Ce groupe de religieux aura gagné et au nom de Dieu, on pourra continuer de lapider en paix. Et en plus, ils se seront débarrassés de ce petit gêneur de Nazareth. D'une pierre, ils auront fait deux coups. Mais Jésus résiste, et il le fait d'une manière étonnante, déroutante, en refusant l'escalade de la justification recherchée par ces hommes de loi. Lui, il se baisse. Il s'abaisse, il s'agenouille, il quitte le cercle de ses visages haineux et éructants. Et je vois dans cet abaissement un mouvement qui le rapproche de la femme, que j'imagine jetée à terre. Est-elle terrorisée? Est-elle tétanisée? Est-elle résignée? L'Évangile ne nous le dit pas. Cet homme se met à la hauteur de cette femme. Il ne l'abandonne pas. Il la considère comme une personne. Dans ce geste, il la rejoint et il sonde sa peur, sa honte, sa souffrance. N'est-ce pas là une étape indispensable quand on se retrouve piégé dans la violence? Se donner le temps et les moyens de voir l'ampleur de ce qui nous arrive et de chercher les moyens d'en sortir. Dans les crises qui traversent parfois nos relations et qui les ébranlent brutalement, notre réflexe peut consister à vouloir prouver à tout prix qu'on a raison, à monter dans une escalade où on veut faire payer à l'autre tout ce qu'il nous a fait. Spirale de la vengeance sans fin. Pourquoi aussi est-ce si difficile à certaines personnes de se faire respecter, de défendre leur dignité? Pourquoi accepte-t-on encore des relations toxiques et destructrices? Notre culture ne nous apprend-elle pas à confondre l'amour compris d'un côté comme sacrifice et de l'autre comme contrôle absolu? Jésus, lui, trace des signes sur le sol, du sable contre des pierres, du doux friable contre du roc tranchant. Par ce geste énigmatique, il prend son temps. Il aménage l'espace nécessaire pour qu'émerge là l'essentiel. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Avec cette phrase, c'est un univers qui s'effondre et un autre qui s'entr'ouvre. La femme était au centre du cercle, enfermée dans ce cercle de haine sans issue. Désormais, tous sont concernés, tous sont mis dans la boucle par Jésus. Tous reçoivent l'interpellation que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parole provocatrice de Jésus qui, en une phrase, rappelle à ces hommes qu'ils ne sont pas au-dessus des lois qu'ils veulent appliquer. Ils ne peuvent pas prétendre juger l'autre tant qu'ils ne se sont pas posé les mêmes questions sur eux-mêmes. La loi n'est pas là au service des puissants, des savants, des dominants,
pour justifier leur recours à la violence, à la stigmatisation de celles et ceux qui dérangent. Non, la loi, comme le rappelle Jésus, donne un cadre de vie commune où chacun est respecté dans son intégrité physique, psychique. Et ce cadre est le même pour tous. Jésus, très subtilement, déplace l'attention de la femme accusée sur ses accusateurs, en les prenant à partie et surtout en les remettant à leur place de simples hommes faillibles et pécheurs. Ainsi, Jésus les déloge de leur rôle de censeur, de juge intouchable. Oui, Jésus intègre ces hommes de manière décisive à l'histoire endémique de la violence. Et c'est une femme debout qui repart, loin du cercle brisé de la violence. Personne ne l'a condamnée, pas même Jésus. C'est une femme libérée du poids de la honte, de la faute, qui peut recommencer sa vie. C'est une femme rendue à son statut de sujet. Elle a redressé la tête, elle a retrouvé la parole, elle redevient une interlocutrice. Elle est vue et elle voit. Jésus est parvenu à desserrer l'étau autour de la femme en renvoyant ses accusateurs à leur conscience et à leurs actes. Alors ils ont lâché leur pierre, ils ont lâché leur goût du meurtre et du sang. Cela aurait dû marquer la fin de toute lapidation, de toute mise à mort, de toute exclusion violente. Qui sommes-nous pour juger les autres? Par quelle aberration avons-nous pu, comme chrétiens, inventer un recours légitime à la violence contre autrui? Jésus sauve la femme et il lui rend sa place dans la société. En respectant sa dignité, il la libère de l'humiliation et il lui offre un nouveau départ. Alors oui, aux yeux du Christ, il y a une sortie possible hors de la violence endémique qui ronge nos relations et nos sociétés. Va et ne pêche plus. Je l'entends comme un envoi libérateur et audacieux qui accompagne la femme debout. Jésus n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Il n'est pas venu renforcer un système de pouvoir, il est venu abolir ce qui conduit à la mort et à la destruction d'autrui. Il permet ce qui fait vivre, ce qui donne la vie. Va et ne pêche plus. Moi, je l'entends comme vis, aime et deviens. Ou vas-y, essaye et recommence. Ou lance-toi, ne te décourage pas. Saisis ta vie. Vivre et laisser vivre est plus capital aux yeux de Jésus que de désigner des coupables et de faire payer le prix. La condamnation est levée. La femme est libre. Les hommes peuvent retourner au champ, à l'établi, à l'écritoire, avec des mains qui servent la vie, des mains qui servent leurs proches, leur communauté, leur famille, et non des mains qui servent la mort à coups de pierre lancés contre autrui. La condamnation est levée. Avons-nous bien entendu? Nous pouvons lâcher nos pierres. Nous pouvons lâcher nos besoins de lapider, de lyncher, de dégommer l'autre. Nous pouvons aussi sortir de nos prisons de peur et de violence, redresser la tête, retrouver la parole, retisser le fil de notre histoire et reprendre librement le cours de notre vie. N'est-ce pas Albert Camus qui a écrit « La force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien
au souvenir. À l'horizon de ce temps de la passion, un autre cercle se dessine, celui qui enfermera Jésus dans une sentence de mort. Il restera seul, il sera absolument seul. Personne ne viendra le sauver de la haine, de la condamnation et de la volonté de mort qui le clouera sur une croix. D'une certaine façon, Jésus prendra librement la place de la femme accusée d'adultère. Il prendra et il prend résolument et par un infini amour la place de toutes les victimes, de chaque victime qui se retrouve piégée dans un cercle de haine. Et à chaque fois, il nous dit et il nous redit qu'en lui, toute condamnation est levée. Amen. Thank you.
Christiane Singer a écrit « Le miracle de l'amour, c'est d'être debout dans la nuit, pleine de silence, dans le fracas de l'insignifiance, pleine de louanges au milieu de la haine. » Je vous invite à nous unir dans la prière pour le monde, pour les autres. Éternel notre Dieu, nous venons à toi avec nos cris, nos supplications, nos prières, pour les autres et pour notre monde. Tu as créé l'humain comme altérité, avec du masculin et du féminin, différence prometteuse, dissemblance douloureuse. Donne-nous de déconstruire les carcans qui enferment l'autre, qui empêchent une rencontre en vérité et en liberté. Donne à nos vies de couple, en quête de bonheur, l'amour dans l'incomplétude, la rencontre en dépit du manque, la jouissance abritée de tendresse. Fais grandir chacune et chacun à l'ombre de ta présence, bienveillante, cicatrise les blessures, transforme les échecs, relève et établis la dignité de toute personne. Nous te prions pour toutes les personnes abusées sexuellement, maltraitées dans leur couple, discriminées en raison de leur genre. Ouvre nos yeux et nos consciences à ce qui brise notre prochain, femme, homme, enfant. Fais grandir en nous l'exigence de protection et de justice. Nous te remettons toutes les personnes prises dans les combats en Ukraine et ailleurs sur notre planète. Ces femmes, ces enfants, ces vieillards et ces hommes aussi. Bombardés, affamés, blessés, tués. Aie compassion de notre humanité défigurée et fais grandir en nous le désir de la paix. Nous te remettons nos gouvernants en Europe. Éclaire-les, donne-leur sagesse, pondération. Pour retrouver le chemin de la concorde et de la paix. Et à toi, Éternel, qui es notre Dieu et notre Père, nous te remettons les visages de nos bien-aimés, de nos aimés, de nos mal-aimés, les noms et toutes les personnes qui nous habitent. Étends ta main bénissante sur ces visages, sur ces vies. Oui, toi, Éternel, traverse de ton souffle nos jours et nos nuits. Éloigne de nous la dureté du cœur. Et fais-nous prendre des chemins d'humanité. Des chemins où se dresse la dignité de nos frères et de nos sœurs.
toi qui accueilles, qui recueilles tout ce que nous sommes, les prières de ce jour, la prière de nos vies, nous voulons nous lever pour dire ensemble la prière que le Christ nous a enseignée, cette prière qui fait de nous des frères et des sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen. Nous pouvons unir nos voix et chanter ensemble le cantique 392, les trois strophes 392, « Il faut qu'en Dieu l'on se confie ». Maintenant, le moment des annonces. La première annonce est un grand merci à Laurence pour ta prédication. Merci à vous pour votre présence chantante, priante, célébrante autour de nous. C'est ensemble que nous célébrons ce culte. Merci à Vincent, bien sûr, pour la musique et pour ce travail qu'il fait pendant ces semaines de nous offrir des morceaux composés par des femmes. Merci à K.O. qui nous permet de porter notre parole plus loin par les moyens d'Internet. Vous avez quelques annonces sur le feuillet. Évidemment, il y a le prochain culte de la série la semaine prochaine avec Joël Roth autour de Déborah l'Audacieuse. Et puis, ce qui manque sur vos feuillets, c'est le culte avec chœur samedi soir, ici à 18h, avec l'ensemble vocal et instrumental de Carouge et avec les pasteurs Bruno Gérard et Rosemée Privé-Tchichengue. Soyez chacun, chacune les bienvenus pour ces cultes qui sont toujours très beaux. Et puis je vais m'arrêter là, le reste est sur vos feuillets. Simplement, je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande. Le 409, les trois strophes, veille et prie et sois fervent.
Voici les paroles d'envoi et de bénédiction. Ne crains pas, nous dit l'Éternel, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûles pas et la flamme ne te consume pas, car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. N'aie peur ni des humains, ni de Dieu. Ne crains ni l'eau, ni le feu. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains. Tu es disciple, deviens témoin. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève vers toi son visage et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.